Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo d'épée sur une gorgeous faisant l'ange dans la neige. Comme vous pouvez voir, je l'ai divisée avec du washi tape. J'ai déjà fait toute ma ligne du bas et là j'avance. On voit un petit peu sa botte, on va dire. Donc j'essaye d'avancer, c'est pour un petit défi sur le groupe, sur un groupe. J'ai aussi, il faut que j'avance aussi mon signe aussi, qui est pour le défi du même groupe. Mais je suis pas en retard, je l'ai commencé, c'est pour à finir pour 31 mars. Donc je l'ai avancé un peu. Donc, il va falloir que je l'avance encore un peu quand même, mais voilà. Ça va être fait pour 31 mars, il n'y a pas de souci, c'est même très certain, c'est même sûr. De toute façon, à partir du moment que je participe, c'est que je vais faire la chose jusqu'au bout. Hein. Sinon, je préfère ne pas participer plutôt que de mettre je participe et de pas faire. Est-ce que j'ai encore du V? Ouais. Ici, voilà. Donc bah ici, alors cette toile vient de chez Goodfell. C'est une 30-40 bords inclus, diamant rond. Elle a 22 couleurs. Donc je m'amuse avec les tons bleus en fait, c'est rigolo. Donc on va voir vraiment ce que ça donne une fois fini. J'ai piqué la boîte de mon fils, puisqu'il a fini sa toile et qu'il en a plus en cours, puis qu'il ne compte pas en refaire. Hop. Donc là j'ai mon mari qui est en téléphone parce qu'on n'a plus de chauffage et c'est la prise de tête en fait, puisque plus de chauffage, plus de gardien. Il faut faire remonter au supérieur, mais le supérieur ça craint un peu. Donc comment vous dire que on n'a pas envie de passer la nuit là sans chauffage. Il est 3h20, enfin mon mari a fait vers 3h20 et on lui a répondu je fais remonter à mon supérieur et voilà, je fais monter à mon supérieur parce qu'on n'a plus de gardien. Donc là je suis en train de craquer puisque les charges locatives ça va tomber. Donc on va payer du gardien alors qu'on n'a pas de gardien, on va payer du chauffage alors qu'on n'a pas de chauffage. On a appelé je ne sais combien de fois pour avoir du chauffage. Donc au bout d'un moment, moi je crois que les charges locatives, je veux bien payer ce que je consomme, mais je ne veux pas payer ce que je ne consomme pas et ce qui est normal. Parce que moi quand j'ai pas de chauffage, je laisse pas mes enfants dans le froid. Un pull en plus c'est bien gentil mais bon ok ok donc, et là la dame lui dit gentiment que bah, il faut attendre que notre tailleur fasse le nécessaire. Non, non, oui, non, mais je dis pas que c'est vous, je dis tournant en rond, c'est par rapport au bailleur, je sais qu'ils vont mettre encore une étalité. Donc voilà, donc, nous allons passer la soirée sans chauffage, c'est sympa. C'est trop classe, on va avec tout ce qui court, Covid, tout ça. Bon bah. Ça devient usant. Hop. Bon, ben on va continuer. Je vais les relancer encore comme d'habitude, à chaque fois c'est pareil.
Donc, donc là, ça devient une vraie galère. 18. Je ferme mon U. Je vais aller chercher ma petite. Après, on va faire les devoirs. On va commencer les. Enfin, elle a commencé sur l'heure du midi. Hein. Il fallait qu'elle trace deux petits saignements. Elle a tracé ses deux saignements. Puis il fallait mettre le milieu du saignement. Donc on a tracé. Comme ça, on va mettre ça dans le cahier. Et puis voilà, on va vouloir faire ça à midi. Donc. On a fait ça, on a commencé tout doucement, mais sûrement, comme ça, il lui reste une dictée à préparer, enfin, à réviser, et de la lecture. Et après, les devoirs seront terminés. Donc voilà, donc je vais aller chercher la petite après. Vous allez s'en douter. Hein. Donc, on va aller chercher la petite, on va aller dans le froid pour retourner dans le froid. Enfin, pour rester dans le froid, hein, puis le bailleur, lui, ne bouge pas son popotin pour avoir du chauffage. Et moi, je vais pas bouger. Je vais bouger mon popotin pour aller chercher le calcif, croyez-moi. Donc, là, niveau chauffage, ça va commencer à me chauffer. C'est ce qu'elle veut dire. C'est un mauvais jeu de mots, mais quand même, là, ça commence à bien me taper sur le système. Bref. Donc on va continuer les U, et en fait j'en ai beaucoup de U parce que encore pas mal de sachets là plein, enfin pas mal. Après les réglettes là, elles sont petites par rapport à ce que mes pots, donc mais je dois pas mettre la même contenance en fait. Donc ça me paraît... Hop, donc j'ai pris la boîte à mon fils hein, puisque il n'a plus de toile en cours et il ne demande pas d'en avoir d'autres, donc à mon avis je pense que le painting c'est terminé pour le moment. Il est en train de faire un livre et il a pris ma petite boîte de 12 là. Il est en train de faire un livre en diamant painting. Il va arriver. Il m'a fait et il lui reste bon, remarque, il l'a quasiment fini, remarquez, il lui reste deux pages je crois. Ah c'est ça. Deux pages qui lui restent. Donc, bon. Il finira quand il finira. Hein. On va pas le presser. Il a fini sa voiture déjà. C'était long. Pourtant, c'était une petite 30-40. Hein. Je vous l'ai mis en photo. Donc, la voiture là, c'est lui qui l'a fait. Il est en train de faire le livre tout doucement, mais sûrement. Hop. Voilà. Ouais, on va continuer le U et je vais surveiller l'heure quand même parce qu'il va être temps d'aller chercher la petite. Je ne serai pas arrivé en retard même si la maîtresse ne sort pas à l'heure. On ne sait jamais. Peut-être que c'est possible de sortir à l'heure. Hein. C'est toujours comme ça à ce moment où toi tu arrives en retard. Tu te dis c'est bon, je ne suis pas pressée, elle ne va pas sortir à l'heure. Ou que tu arrives 2-3 minutes après, qu'elle est là. Qu'elle est déjà sortie, limite. Donc, je vais faire attention à l'heure pour ne pas arriver en retard pour aller chercher ma cocotte. Hop. Voilà. Ah non, j'en ai oublié un. Oh bah non, j'en ai oublié. Oh bah non, j'en ai oublié 3 même. J'en ai pas oublié qu'un, j'en ai oublié 3. Voilà. Ensuite. Je vais faire mon petit L7. Ah, il faut vraiment que je l'avance pour la finir. Oh, j'ai fait quoi, moi ? Il faut vraiment que je l'avance pour la finir, l'encoller, puis la mettre dans mon carnet spécial Gorgeous. Allez, si on continue. Je vais le mettre là tout de suite, parce que je vais bien être capable de l'oublier. J'en oublie tout le temps. Alors là, c'est pour ça que je fais des petits carrés, parce que... Quand je fais des grands carrés, je suis toujours en train de mettre... Ah, j'ai fini, puis au final, non. Et j'en retrouve encore. Donc, en faisant des petites cases, c'est pas plus long, hein, puisque la case est plus vite faite, on va dire. Mais j'en oublie pas. Ou j'en oublie moins. Parce que...
quand je fais des grandes cases, j'en oublie et pas qu'une, et pas qu'un strass à mettre. Donc, j'oublie pas qu'un symbole. Donc, hop, hop. Voilà. Encore ici. Ici, ici. Là. Là. Donc là, ouais, j'ai fait, donc ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 carrés sur la hauteur. Hop. Ta, ta, ta. Hop. J'ai fini mes L. Bien, on n'a pas oublié. Le I. I, 9. Je pensais que j'aurais eu aussi de la chance de prendre sur la même réglette. Et ben non. Ah, c'est un rose. Je mets du rose ici, moi. C'est un rose très très pâle. Je pensais qu'il m'aurait servi. Ben, il va me servir pour le visage aussi, vous remarquez, mais j'aurais pas pensé en avoir ici. Ensuite, je vais faire le E. C'est le 1. Bon, il faut vraiment que je l'avance. Hop. Voilà, voilà. On continue, hein, on continue, on continue. J'en avais pas beaucoup. Du haut. Oh, 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 21. Donc, je vous ai dit, oui, 22 couleurs. Hein. Donc, en général, dans les 30-40, hein, c'est ça. Hein, c'est sur les sites Tel Good Fait, le GBFKE, Foncel, Peggy Buy. En général, c'est ça, hein, c'est, ça tourne entre 20 et 22 couleurs. Hein. Donc, hop. Donc, c'est vraiment... ça tombe vraiment dans ces eaux-là. Alors là, sur ce coup-là, franchement, vu le fond que ça fait, je ne m'attendais pas à en avoir autant. Je m'attendais à avoir, ouais, une quinzaine de couleurs, mais pas une vingtaine. Donc, j'ai vu le résultat final avec Jacques. Jackie DP, il me semble que c'est ça. Enfin, Jackie, j'ai vu le résultat final en photo sur sa page et son groupe. C'est plutôt pas mal. C'est même elle d'ailleurs qui m'a fait penser que je l'avais aussi cette toile là et qu'il fallait peut-être que je la fasse. Hein, elle fait l'ange, elle est dans la neige, il fait froid donc. Il était peut-être temps que je fasse cette toile. Donc, merci Jacqueline de m'avoir rappelé que j'avais cette toile à la maison. Et je la fais à mon tour. Mais j'ai pas fait des grandes cases comme toi, tu avais fait. K12. Hop. Donc. Hop. Allez, on continue. Alors en ce moment je regarde les vidéos, je suis en retard chez les vidéos copines là, je suis très en retard, hein. Je regarde et je commande pas forcément, voire je ne commande pas, mais je regarde les vidéos des copines. Donc non, c'est vraiment là je suis à la bourre dans les vidéos. Donc car j'ai fait les P et j'en ai oublié 8. Il me semble que je les ai fait, j'en ai oublié un, j'en vois un. C'est pas grave. Oui, vous l'avez dit, même avec une petite case comme ça, j'oublie. E. Bah, je l'ai fait le E aussi parce que c'est le numéro 1. J'en ai oublié un. Bon, je vais pas sortir. Hop, voilà. Le P, c'est le 8. Que j'en ai dans mes sachets du 8 parce que ça me paraît en rester peu là. 8, mon petit P, voilà. Le N, j'en ai qu'un, c'est le 2. Et le A, le 20. Hop.
20. Voilà. Et voilà, la petite case est terminée. Moi, je vais vous laisser. Je voulais vraiment faire une case avec vous. Je vais continuer à l'avancer et je vous mettrai, soit je referai une vidéo dessus, soit sur une autre. Mais je vous mettrai dans tous les cas une photo de la toile terminée. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!